Bonjour. Ouais, bonjour madame. C'est votre ami là, le chauffeur de taxi. Oui, bonjour monsieur. Bon, pardon, hein, je sais que vous vendez des maisons. J'ai moi-même entamé la procédure d'achat pour la mienne. Maintenant, je voulais savoir si je pouvais avoir un guassou. Un guassou? Ouais, c'est un cadeau quoi. Quel cadeau vous voulez faire? Je comprends pas là en fait. Bon, vous voyez quand vous vendez des maisons là, les portes là, les poignées qui sont dessus là. Voilà, je veux un. Non mais enfin monsieur, chaque porte de votre maison auront une poignée. Non ça je sais, c'est pas pour la maison même, c'est pour ma voiture. Pour la voiture? Je comprends pas monsieur. C'est parce que moi, ma poignée de la porte là, de ma voiture est gâtée. Les gens sont obligés de passer la main par dehors pour ouvrir la voiture, ça me fatigue. Mais et puis c'est pas ça seulement, hein. Même ma fenêtre là, je veux remplacer ça par vos fenêtres qu'on fait, comme ça on ouvre comme ça là. Parce que même ma manivelle de fenêtre même, ils m'ont volé ça, ils souffrent hein, maman, ils souffrent. Hein. Non mais monsieur, si je vous écoute là, votre toit, vous allez mettre une dalle à la place. Mais si tu as fait ça, ça va m'arranger. Mais je peux monter étage. Le premier taxi deux étages de Côte d'Ivoire. Maman, c'est intelligent, hein. Non mais monsieur, vous êtes sérieux, là? Mais bien sûr. Trouve-moi une solution pour ça, s'il te plaît. Non mais il est vraiment sérieux. Monsieur, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Hein. Je dois vous laisser, j'ai une cliente qui vient d'arriver. Bonne journée, monsieur. Oh, non, ce concept-là va te tuer. Hein? Taxi, deux étages. Ouais, taxi, deux étages.